Je suis Armelle Simine et je suis coach quantique. Ce qui veut dire que ma spécialité est de faire ce point de jonction entre ce que vous vibrez à l'intérieur de vous et les événements de votre vie. C'est la raison pour laquelle un grand nombre de personnes viennent me voir en coaching one-to-one quand ils vivent des situations répétitives. Mon objectif à ce moment-là, par rapport à ces situations extérieures, ces situations répétitives, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Pourquoi est-ce que d'une manière inconsciente, réflexe, involontaire, vous allez d'une manière ou d'une autre créer ou revivre ces situations-là. Donc, la première chose que je vais faire en coaching one-to-one, c'est d'aller voir quelle est la programmation inconsciente qu'il y a à l'intérieur de vous qui fait que d'une manière ou d'une autre, vous allez revivre toujours les mêmes scénarios en boucle. Ces scénarios, ça peut être « je donne dans une relation et malgré tout, je ne suis pas choisie. Je donne et malgré tout, on apporte de la considération à une autre personne. Malgré tout, c'est l'autre qu'on choisit. Malgré tout, l'attention se porte sur une autre personne. » Qu'est-ce qui fait que malgré tout ce que vous allez donner généreusement, et bien en fait, vous allez aboutir au même résultat? C'est tout simplement parce que justement, vous êtes enfermé dans cette programmation qui est inconsciente, qui est la boucle dans laquelle vous êtes. Cette boucle-là, elle est créée dans votre enfance par rapport à un trauma, une situation qui vous a marqué. Et justement, vous avez trouvé ce scénario-là, ce scénario-là pour vous en sortir. Donc, vous avez créé une programmation qui fonctionnait bien à ce moment-là durant votre enfance, mais qui aujourd'hui ne peut plus fonctionner. Donc concrètement, qu'est-ce que ça vous demande? Pour sortir des situations répétitives, vous avez besoin de faire une mise à jour intrinsèque de la programmation dans laquelle vous êtes. Cette programmation, elle est inconsciente, bien sûr. Donc notre premier objectif sera déjà de déterminer de manière très claire et d'identifier cette programmation dans laquelle vous êtes. La deuxième étape que nous allons faire ensemble dans le coaching one-to-one, ce sera de déprogrammer justement cette programmation. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que, comprenez bien, si cette programmation, elle est toujours d'actualité pour vous, c'est bel et bien parce que vous avez trouvé un intérêt à la maintenir. C'est bel et bien parce que c'est la façon dont vous avez trouvé pour obtenir de l'amour, par exemple. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, ça génère de la souffrance. Ok, mais la raison pour laquelle vous l'avez maintenu, c'est que certainement il y a des bénéfices secondaires. Donc la déprogrammation va aider justement à la fois à explorer pourquoi est-ce que d'une certaine manière vous avez eu raison de maintenir cette mécanique et pourquoi est-ce que vous aujourd'hui il est important d'en sortir et qu'il y a vraiment une possibilité de vivre et d'obtenir l'amour, d'être choisi par exemple différemment et autrement. Quels sont les différents autres perspectives possibles et chemins neuronaux à construire qui sont possibles. Et ça, c'est ce que nous allons faire ensemble. Donc, quand on déstructure justement cette programmation, ça vous permet justement à un moment donné, en toute évidence, de dire « Ok, en fait, j'ai rien à gagner à fonctionner de cette façon-là et je peux fonctionner autrement. » Mais bien sûr que cette mécanique de fonctionner autrement, la raison pour laquelle vous n'y allez pas, c'est parce que ça génère des peurs. Et justement, l'intérêt du coaching one-to-one est de vous permettre justement d'apaiser vos peurs, d'amener un espace de sécurité pour que vous puissiez vous comporter différemment, penser différemment, de façon à ce que vous puissiez créer un nouveau circuit et une nouvelle boucle qui soit beaucoup plus écologique pour vous, dans lequel vous allez sortir davantage gagnant. Donc, une fois que la déprogrammation est faite, nous rentrons dans une troisième étape qui est le fait de créer une nouvelle boucle qui est une nouvelle programmation beaucoup plus écologique pour vous et qui davantage vous fait du bien. Une fois que cette boucle est créée, nous allons rentrer ensemble dans une étape qui est une étape d'intégration et de reprogrammation vraiment de cette mécanique, de cette nouvelle mécanique dans vos cellules, de façon à ce que vous puissiez d'une manière ou d'une autre développer un état réflexe, un nouvel état réflexe qui vous fait du bien. Et cette reprogrammation justement, elle va s'imprégner naturellement dans votre vibration intérieure et c'est de cette façon-là que vous allez créer à nouveau des nouvelles situations répétitives, mais des situations qui vous font
du bien. Donc, vous passez de situations répétitives qui sont générantes d'émotions et de douleurs pour vous, comme « je donne tout et je ne suis pas choisie », à une nouvelle programmation, par exemple, où « je donne et je reçois en abondance, je donne et je suis aimée », et qui peut être aussi que « je donne et je suis en lien, je suis considérée, je suis aimée, je suis remarquée ». Et de cette façon-là, vous allez vivre dans une situation, naturellement, dans des situations de vie où tout ce que vous donnez va être aboutir à quelque chose où vous allez recevoir naturellement. Voilà. Donc, si vous avez envie de vivre ce shift, je serai ravie de vous accompagner en coaching one-to-one, justement, dans lequel je propose 3 formules selon ce que vous avez envie de transformer, justement, pour vous. Et vous avez droit à un appel diagnostic qui est offert. Donc, je serais vraiment ravie déjà d'être auprès de vous pour vous amener un éclairage sur de quelle manière est-ce que je peux vous accompagner et les différentes pistes aussi d'accompagnement qui vous permettraient d'avoir de l'éclairage sur ce qui est possible de transformer. Je serais ravie de vous accueillir. Contactez-moi si vous le désirez. Je vous dis à très vite. Au revoir.